Et bienvenue au pays de la Loire, la région voisine au Centre-Val de Loire, connue pour ses châteaux en France. Bon, on reviendra sur le Centre-Val de Loire lors du second passage en juillet, mais attardons-nous sur les Pays de la Loire en commençant par Angers le 28 mai, Laval le 29 mai, puis un retour à Sable-d'Olonne le 4 juin et La Baule le 5 juin. Voici 10 infos sur cette incroyable région. Numéro 1. Les régions de la Loire sont connues pour leurs châteaux en France et connues dans le monde et elles comptent à elles seules plus de 300 châteaux. Bon, tous ne sont pas visitables puisque ce sont soit des ruines ou des domaines privés. Numéro 2. Le château de Juillet et le trésor des Templiers. Oui. Au nord du Mans se trouve ce fameux château dont la légende raconterait qu'il renfermerait le trésor des Templiers. La légende raconte également qu'un mur se lèverait au douzième coup de minuit, le jour de Noël, pour laisser entrevoir ses richesses. Bon, depuis ce jour, le château a été détruit, mais subsiste cette tour encore assez mystérieuse. Hum... Numéro 3, les machines de l'île de Nantes et son célèbre éléphant. Tenez-vous bien, c'est une troupe de théâtre qui est à l'origine de cet éléphant, qui permet de faire une petite promenade dans la ville, ou bilou. Cet éléphant est né de l'inspiration des idées de Jules Verne, Léonard de Vinci ou encore sur le passé industriel de Nantes. Numéro 4, c'est dans cette région que se passent les 24 heures du Mans, sûrement l'une des Courses les plus périlleuses pour tout pilote automobile. Bon, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en automobile, les 24 heures du Mans, ce n'est pas seulement un nom, c'est également la durée de la course. 24 heures. Aujourd'hui, depuis, depuis ce jour, depuis sa création, de nombreux noms ont fait leur preuve sur la piste, de nombreux films ont vu le jour sur la course, et aujourd'hui encore, elle fait partie des trois courses les plus prestigieuses du monde, aux côtés du Grand Prix de Monaco. Ah, rien que ça. Numéro 5 La Rocherion, cette ville fondée sous le règne de Napoléon. Savais-tu qu'elle avait eu certains noms assez insolites, ouais. En commençant par Napoléon. Et je te parle pas de l'empereur, hein, je te parle vraiment de, du nom de la ville, Napoléon. Ils ont vraiment pas été cherchés loin. Hein. Après on est passé sur du Bourbon-Vendée lors de la Restauration, ou du Napoléon Vendée lors du Second Empire, avant de réellement revenir sur La Rocherion. Et je pense qu'ils ont bien fait. Numéro 6, les Sables d'Olonne sont nés en 2019. Bon, je te rassure, il hein, y avait vraiment une ville qui s'appelait les Sables d'Olonne avant 2019, mais celle que l'on connaît aujourd'hui, les frontières de la ville actuelle, sont nées en 2019 de la fusion des villes de Sables d'Olonne, Château d'Olonne et Dolonne-sur-Mer. Sacrée fusion quand même. Hein. Numéro 7, Saint-Nazaire, sûrement l'un des plus gros ports maritimes français, mais savais-tu que les plus gros paquebots du monde, paquebots de croisière, l'actuel Harmony of the Sea et le Wonder of the Sea, ont été construits à Saint-Nazaire Eh ouais Merci qui Merci la France Numéro 8, comment ne pas parler du Puy du Fou La flamme va passer dans ce joyau historique entre mousquetaires, légendes arthuriennes, la Première Guerre mondiale ou encore euh, l'Arène gallo-romaine, un parc incroyable avec des, spe des spectacles à couper le souffle et euh, qui vous mettent les étoiles dans les yeux à chaque passage. Vraiment, juste pour ça, merci la Vendée, merci le Puy du Fou. Numéro 9, Angers a été la capitale de France durant quelques jours. Ouais. Au XVIe siècle, alors que les guerres de religion détruisent, détruisent la France, Henri IV, le roi de France, décide de écrire un texte pour mettre fin à ces guerres entre protestants et catholiques. Il choisit la ville d'Angers, notamment pour sa puissance au royaume, pour sa position dans le royaume. Et il en fait sa capitale durant quelques jours, le temps d'écrire ce qui deviendra par la suite l'édit de Nantes. Numéro 10, dernière anecdote, née à Laval. Henri Rousseau était un peintre qui peignait ses petites œuvres, mais les habitants de Laval ne l'aimaient pas beaucoup. Et ce fut le coup de massue lorsque le peintre voulut offrir une de ses œuvres au maire, qui refusa. Ah ouais ouais. ouais. Quand on pense qu'aujourd'hui le douanier Rousseau est exposé à New York ou dans les plus grandes villes du monde. À cette époque, Laval n'avait pas n'avait pas vraiment le pif. Désolé.